Hello tout le monde, nouveau vlog aujourd'hui, on se retrouve, je suis dans ma voiture, je viens d'arriver chez le coiffeur sur un coup de tête, j'ai pris rendez-vous, il y avait un petit peu de place donc j'y vais. C'est pour juste couper mes cheveux puisque en fait ils sont quand même assez abîmés, j'avais envie un peu d'avoir les cheveux un petit peu plus courts pour cet été et juste me fondre quelques mèches parce que vous avez vu que mes racines ont quand même pas mal poussé. C'est parti, je vous montre le résultat dès que je suis sortie. Ça a duré assez longtemps, bah c'est normal, elle m'a coupé, du coup j'ai demandé un carré long donc je suis trop contente, ça va leur faire un bien fou, ça fait au moins 3 ans que je les avais pas coupés, je regrette absolument pas. Elle m'a refait un genre de balayage en fait sur le dessus pour fondre en fait avec mes racines. Et je trouve ça tellement beau, elle m'a refait une patine pour enlever tout le shampoing bleu un peu qui m'avait fait des reflets assez bizarres. Et j'ai la couleur idéale que je voulais, je suis tellement contente. Et je suis vraiment pas déçue, donc voilà. Là je vais m'apprêter à faire ma valise du coup pour Tarbes. Je pense donc qu'il va falloir que je retourne, je pense, m'acheter un sac en plus de ma valise. Parce que je pense pas que je pourrais tout mettre dedans. C'est-à-dire que là j'ai cette valise que je vous ai montrée. Mais il me faut un autre sac et je pense que je vais aller l'acheter, j'en ai vu un chez Primark. Mais je me tâte un peu parce que là je suis en pleine digestion, on a mangé des paupiettes et des paupiettes de veau et je suis blindée. Donc je pense que je vais aller me caler un peu dehors dans mon jardin et j'irai certainement beaucoup plus tard finir ma valise et acheter le sac. Et voilà, j'espère que je vais rien oublier. Alors, regardez Pacha comme il dort, j'ai envie de faire la même, j'ai envie de faire la sieste. Regardez-moi cette merveille. Ah mon Pacha, mon ange, ça c'est tous les cintres que je dois rendre à ma maman parce qu'on avait fait du tri dans son garage. Et du coup elle va passer tout à l'heure donc je vais lui donner. Et là mes amants, ça y est, on se retrouve, c'est le jour J. Donc je m'apprête à partir, à aller prendre mon train. Enfin mais plusieurs trains parce que il est bientôt midi. J'ai mon premier train à 12h55 à la gare de Toulon. J'arrive à Marseille. Après je prends mon train pour aller de Marseille à Toulouse. Et après je prends un autre train pour aller de Toulouse à Tarbes. Donc j'espère que ça va bien se passer. Souhaitez-moi bonne chance puisque j'en ai pour 8 heures de train. Voilà, je pars à 12h55 et s'il n'y a pas de retard, si j'arrive à avoir toutes mes correspondances, j'arrive à 20h16 à la gare de Tarbes. Donc là il fait super beau, grand soleil chez nous, ce qui ne sera pas le cas à Tarbes parce qu'ils annoncent la pluie et tout. Donc moi je suis habillée un peu en mode été là, mais j'ai prévu les pulls et les parapluies et tout ce qu'il faut. Souhaitez-moi bon voyage. Je vous retrouve, je vous ai épargné un petit peu tout le voyage. Il est minuit. Je viens juste de rentrer dans la chambre. J'avais juste posé mes affaires tout à l'heure quand je suis arrivée à 20h30, quelque chose comme ça. Et après on est parti en fait de suite à la foire. Je me parle doucement parce qu'en fait on entend tout dans les bis budget. Je trouve que l'insonorisation c'est pas trop ça. Bref. On a été manger à la foire de Tarbes ce soir. J'ai les yeux explosés après 8 heures de train et tout. Là je ressens plus rien. Faut que j'aille me laver les cheveux en plus parce que ça sent la bouffe, parce que dans la foire, il y avait plein de snacks et tout ça, et ça sent la grillade, quoi. Et on a mangé, et après on est allé dans la chambre à Marion, et on a parlé un petit peu, quoi, voilà, pour se retrouver et tout, donc c'était cool avec les autres filles. Du coup, je vais aller à la douche, je vais me laver les cheveux, et je vais aller faire un bon dodo. On s'est dit qu'on allait déjeuner à 9h30 demain, je pense que ça ira. J'ai hâte de vous rencontrer demain, j'espère qu'il y aura un petit peu de monde quand même. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à demain. Bonne nuit. Ça y est, c'est le jour J, on vient de déjeuner, on revient dans la chambre, là, on finit de se préparer vite fait. Mais vu le temps, moi je reste habillée simplement. En plus j'ai mis le t-shirt rendez-vous avec vous. Je me suis habillée toute simple, en jean, mes petites Vans et le tour est joué parce qu'ils annoncent la pluie après tout à l'heure. Donc bon, même si c'est à l'intérieur, je pense que hier quand on a été dans le premier hall où il y avait les restaurants et tout ça, il gelait, donc là j'ai pris le gilet parce que j'avais que ça, j'ai pas de veste, j'ai rien. Je vais le mettre parce que sinon j'ai peur qu'on ait trop froid. Avant de partir à la fin, je voulais vous faire le room tour. Je suis désolée, ça résonne parce que les chambres sont quand même assez grandes. Mais il n'y a pas trop de meubles, donc du coup ça résonne. Et c'est très mal insonorisé, comme je vous l'ai dit hier, j'entendais beaucoup de bruit. Ça sera très rapide. Donc du coup ici, quand vous rentrez, vous avez un miroir. Vous n'avez pas de placard, vous avez un petit chauffage à l'ancienne. Mon lit qui est vraiment assez grand pour moi. Et comme vous voyez, c'est vraiment vide. Là, vous avez une fenêtre, donc moi je suis au rez-de-chaussée. Là, vous avez un mini bureau avec un petit siège, ma petite table de nuit. Et bon bref, une clim. Et là vous avez juste une genre de tablette, une étagère pour poser vos vêtements. Et 4-5 cintres qui fait guise d'armoire. J'ai une vue, ça va, qui donne sur le jardin, donc c'est plutôt cool. Et ensuite la salle de bain, c'est très rapide, hein, c'est bis budget. Ça suffit amplement pour un week-end. Donc j'ai une douche assez grande, un lavabo et les WC avec un miroir tout simplement. We'll be right back.
je vais bien. On attend Johnny alias Richie et on a faim, on va voir ce que ça donne. Moi je voulais des moules frites. On en fera des rayons. Elle a pas le droit de filmer. C'est grand, franchement. Et elle arrive juste à côté. Et vous êtes sérieux, on va monter tout ça là? Non. J'ai trop peur de faire tomber mon caméscope. Oh là, ça glisse. Oula, il y a des gouttes qui me tombent dessus par contre. On va se mettre le chauffage un petit peu en partant. 28. Tu as froid alors qu'il fait soleil. Tu n'as pas honte après le week-end qu'on a passé. Ça sent bien ça, ça sent bien ça. Nous ne savons pas quoi choisir, nous venons juste de déjeuner. Alors Marion, as-tu faim? Oh là là, le choix est rude. Après le Mighty l'Arizona. Mathilde a foutu le bordel d'ailleurs. Assume. J'ai pris jambon chèvre pour le trajet. 8 heures de train, ça va faire mal. Voilà ce que ça donne des youtubeuses à Tarbes. Dans un magasin où il y a des gains. C'est le dernier jour. On vient d'aller à Leclerc acheter un sandwich pour le train. Le week-end touche à sa fin. C'était franchement bien. La foire, bon, comme c'était prévu, il n'y avait pas franchement énormément de monde. Mais voilà, en fait, on a passé un petit week-end entre nous et c'était vraiment chouette. Enfin, de super rencontres avec les filles, donc c'est cool. Là, on prépare les valises, on se rejoint avec les filles. On va se caler dans une chambre notamment parce qu'il faut libérer les chambres à midi. Les valises ont vite été faites parce que j'avais pas pris non plus grand-chose. Il fait toujours aussi froid, mais il fait soleil. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien. On a eu de la pluie tout le week-end. J'espère qu'il fera beau quand je rentre. Ça y est, je suis enfin rentrée. J'ai retrouvé mon chéri, en plus c'est son anniversaire, donc je suis trop contente. J'ai retrouvé pas chez Moon, donc voilà, je suis ravie. Ça se voit que je suis complètement capoute. J'ai des cernes de malade. J'ai pas réussi à dormir dans le train, c'est horrible. Moi j'arrive pas, je regarde toujours tout ce qui se passe autour et tout. J'avais pas du tout envie de louper mes trains. Je me suis jamais vue comme ça autant fatiguée. On a mangé du coup McDo et demain ça va être repos, repos, repos. Donc je pense que je vais terminer ce vlog parce qu'il doit être quand même assez long depuis. Je vous remercie à ceux qui sont venus d'être venus déjà et je remercie mes copines pour ce trop trop bon week-end. Sur ce, je vous fais des bisous et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.